cette semaine a été un petit peu spéciale à l'école. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? On a parlé anglais. On a surtout travaillé sur tous les pays anglophones. Il y en a 78 pays avec la langue maternelle qui est l'anglais. Oui. On a appris les pays, des pays. On a fait un jeu avec les pays. On devait dire le pays et sa capitale. Ouais. D'accord, ok. On fait des sketchs en anglais comme quoi on avait perdu notre passeport et qu'on était à l'aéroport. Aussi, on a eu des instits qui venaient de certains endroits. Comme par exemple vous vous souvenez, du Mexique, des Néerlandaises, des Américaines. On a fait du sport anglais. Mmh. On a fait beaucoup de sport anglais. Comme on fait aujourd'hui. On a fait du hockey. On a du hockey sur gazon. Enfin, nous, on était à l'intérieur. Aussi. On a fait du basket. Oui, du kabaddi. Du kabaddi. C'est tout. Ouais, c'est un sport nouveau pour vous. Vous aviez jamais fait ça? Non. On a découvert des sports. Voilà. Super. Comment vous est venue l'idée de ce projet Découverte du monde anglophone? Alors, dans le projet d'école, depuis 3 ans, notre objectif, c'est d'améliorer l'anglais à l'école. On a déjà fait plusieurs achats d'albums, on a fait plein de projets en anglais depuis 2 ans. Et la Ligue de l'enseignement nous a proposé de faire une première expérience sur une classe découverte en anglais sur le site d'école. L'objectif a été tout d'abord de pratiquer l'anglais sur toute une semaine avec des assistantes anglaises et ensuite de découvrir le monde anglophone et notamment tous les pays dans le monde qui parlent anglais et de découvrir aussi les différentes cultures. Donc pendant 3 ou 4 jours sur le site de l'école, on a découvert de nombreux pays en Afrique, en Amérique, dans tous les continents. Alors au départ, il a fallu avoir quelques prérequis quand même. Certains enfants devaient avoir certaines bases en anglais. Et ensuite, avec la préparation avec les assistantes, on a créé des petits sketchs pour pratiquer l'anglais, quoi. Et pourquoi avoir pensé à la Ligue de l'enseignement? Alors pourquoi? Parce que l'école, tout simplement, est affiliée à la Ligue de l'enseignement depuis de très nombreuses années. On pratique des activités sportives à l'école d'OG. Et donc, on a allié à la fois l'anglais, le sport, la géographie, tout ça en anglais. Est-ce que vous auriez envie de recommencer l'expérience? Oui. Ouais? C'est bien. Oui. Toi, oui? Moi, franchement, ouais. J'aimerais bien, parce que c'est bien de parler français, mais c'est mieux de parler anglais. Enfin, c'est pas mieux, mais ça change un peu la langue. Moi, je dis aussi que j'aimerais vraiment recommencer parce que c'est vraiment super et ça nous fait faire des nouvelles choses. Au lieu de garder la routine, ça nous fait faire des nouvelles choses, apprendre de nouveaux mots,
et enfin faire ça même pas forcément avec de l'anglais, aussi avec d'autres langues, c'est vraiment super. I like the cat and dog. Cat and dog. I like the cat. And alors si je te dis, where do you come from? I come from France. How old are you? I am 9 years old. Okay. Et si je te dis, what do you like? I like unicorn. Okay. Ah, vous êtes pas mal.